est plus rassurant en tant que parent, je trouve, qu'il n'y ait plus de voiture. Bah, chaque matin, ma mission, c'est de venir là, d'ouvrir la barrière pour éviter que les voitures passent, pour que les enfants et les parents puissent circuler tranquillement pour aller à l'école. C'était un souhait tout à fait délibéré de la ville de se lancer dans cette expérimentation de rue scolaire, donc une rue qui soit dédiée aux enfants et aux piétons le matin à l'entrée de l'école. Ça correspond à une volonté de la ville déjà de développer tout ce qui est mobilité douce, le vélo, de circuler à pied, à trottinette, d'éviter au maximum de prendre sa voiture, et aussi une volonté de répondre à un souhait qui était exprimé depuis plusieurs années de la part des parents des écoles Gambetta, maternelle, et Gambetta A, Gambetta B pour les élémentaires. C'est une rue qui est très fréquentée par les scolaires. On a presque 600 enfants qui, tous les matins, arrivent entre 8h15 et 8h30. Donc ça fait en effet beaucoup d'enfants. Alors, la rue en elle-même n'était pas très dangereuse parce qu'on avait mis beaucoup d'aménagements pour sécuriser. La vitesse est limitée, il y a des ralentisseurs. Mais il n'en demeurait pas moins que 600 enfants sur un quart d'heure et leurs parents, ça fait beaucoup de poussettes, ça fait beaucoup de piétons. Et les trottoirs, bien qu'agrandis il y a quelques années, n'était pas suffisant pour permettre aux personnes de circuler de façon confortable et tranquille. C'est ce qui nous a poussé à essayer de se lancer dans cette expérimentation de rue scolaire. L'information faite aux riverains en leur expliquant pourquoi on se lançait dans cette expérimentation. On a eu la grande chance d'avoir la gardienne, Madame Bou, qui était tout à fait partante pour tenir la barrière et expliquer aux peut-être quelques récalcitrants pourquoi pendant 20 minutes la rue serait fermée. Alors avant la mise en place de l'expérimentation, on venait souvent en voiture. Et effectivement, depuis, j'ai changé mes habitudes puisqu'on vient à pied. Donc là maintenant depuis, c'est vrai que c'est beaucoup plus fluide, c'est vrai que les gens vraiment prennent tout l'espace, les vélos, les piétons, tout se mélange bien, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que c'est une expérience qui est vraiment très très agréable pour ça, où ça apporte beaucoup de calme le matin, on sent que les gens arrivent détendus, il y a beaucoup moins de stress. Cette rue fermée, les bons côtés, c'est que ça nous évite d'avoir des embouteillages de parents d'élèves devant notre accès de bureau et surtout de pouvoir mettre en sécurité les enfants, ce que nous avons souligné comme d'un point très positif étant donné que je suis aussi père de famille. Bonne journée et bon week-end.